là qui allume le micro.
Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer. Merci d'être là et d'être là à l'heure. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Gaspard Koenig, que vous connaissez tous ou presque tous, j'imagine, mais que je présente quand même en quelques mots. Donc Gaspard Koenig, philosophe, essayiste, romancier et aussi homme politique, ou qui le fut, puisqu'il a été candidat, ou plutôt il a souhaité être candidat à l'élection présidentielle de 2022, ce à quoi il a dû renoncer finalement, faute d'avoir obtenu assez de parrainage. Ce qui me frappe d'abord chez Gaspard Koenig, c'est l'extrême jeunesse. Alors, tout est relatif. Mais il a exactement 30 ans de moins que moi, donc ça me paraît très jeune. Il est né en 1982. Ordinairement, je ne cite pas la date de naissance de nos intervenants, mais là, il est, comme c'est l'un des plus jeunes de l'année, je le fais. Et ça m'a frappé parce que le fait que quelqu'un soit né après 1981, c'est une date qui a été tellement importante dans l'imaginaire et la mémoire des gens de ma génération, que le fait qu'on puisse être né après, ça paraît déjà surprenant. Je me souviens, quand j'étais prof, au début de l'année, on fait remplir une fiche et les étudiants mettent leur date de naissance. Et une année, la date de naissance, c'était 1968. Et pour le soixantenaire que j'étais, qu'on puisse être né en 68, ça me paraissait très étonnant. Et j'avais pris un coup de vieux. Eh bien, deuxième coup de vieux, voilà, j'accueille Gaspard Koenig, qui est né bizarrement en 1982. Alors, il a été membre du cabinet de Christine Lagarde quand elle était ministre de l'économie. Il a créé un parti politique simple qui milite pour la réduction du nombre des normes. Et il reste aujourd'hui président d'un groupe de réflexion qui s'appelle Génération Libre, qui, comme son nom l'indique, est d'inspiration libérale. Gaspard Koenig a publié de nombreux livres, dont je ne citerai que quelques-uns des plus récents. La fin de l'individu, sous-titré Voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle, en édition de l'Observatoire 2019. Notre vagabonde liberté, sous-titré À cheval sur les traces de Montaigne, puisque Gaspard a entrepris de refaire À cheval, comme Montaigne l'a fait, le voyage de Montaigne, partir de Bordeaux jusqu'à Rome. Et il en a donc fait ce livre, Notre vagabond de liberté. Mais le dernier que je citerai avant celui du jour, Humus, alors qui est un roman que j'ai lu, qui est un formidable roman, très ancré dans l'époque, autour des problèmes de la biodiversité, de l'évolution de l'agriculture, de l'écologie. J'ai vu que l'un critique du Parisien disait « c'est quelque part entre Balzac et Houellebecq ». Il disait à Gaspard que je trouvais ça assez juste, sauf que son livre, c'est moins glauque que du Houellebecq et que les descriptions sont moins longues que chez Balzac. Donc ça fait deux qualités supplémentaires. Mais encore une fois, c'est un livre que je vous invite à lire. C'est vraiment un excellent roman et très éclairant sur notre époque. Enfin, le tout dernier que nous avons le plaisir de vous offrir, Agrophilosophie, sous-titré « Réconcilier nature et liberté ». Alors, qu'est-ce que c'est que l'agrophilosophie ? Gaspard écrit dans son livre que l'agrophilosophie a pour ambition de réunir les deux sens du mot « culture », culture du sol et culture humaine, agriculture et « Kultur », comme on dit en allemand, c'est-à-dire agriculture et civilisation. Quand je l'ai contacté il y a peut-être 6 mois, j'ai dû lui proposer un sujet du style « La liberté et les normes en 2050 ». Et puis bizarrement, il m'a proposé un tout autre sujet qui porte, dont l'intitulé est le suivant, « Nature et liberté en 2050 », puisque nous terminons aujourd'hui le cycle de réflexion centré sur l'année 2050. Donc le thème qu'il va traiter, c'est donc « Nature et liberté en 2050 ». 2. Comment l'irruption du vivant chamboule la pensée libérale. Et ça m'avait surpris ce thème qu'il me proposait, parce que pour moi, il n'était pas inscrit dans cet univers-là, mais à l'époque, je n'avais pas lu Humus. Depuis que j'ai lu Humus, je comprends mieux en quoi, en effet, le rapport à la nature et les problèmes écologiques gravissimes auxquels nous sommes confrontés
sont en effet une espèce de défi pour la pensée libérale, et je n'en ai que plus de plaisir à laisser la parole à Gaspard. Gaspard, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez la parole pour 45 minutes. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors pour relativiser la question de l'âge, Montaigne, que nous aimons tous deux, disait qu'à 40 ans, on entrait dans les allées sombres de la vieillesse. Donc ça, je m'y voilà déjà. Et après, l'intitulé de cette conférence suit un problème qui est très simple pour moi, puisque comme l'a très bien résumé André Comte-Sponville, pendant 10 ans, j'ai mené ce think tank qui avait pour vocation de réhabiliter la pensée libérale classique, la grande pensée libérale, pas cet horrible néolibéralisme marchand que nous connaissons. J'ai d'ailleurs parfaitement échoué d'un point de vue de communication, puisque le terme reste tout aussi pollué que les sols en France. Et j'ai d'ailleurs cédé la présidence il y a 2 ans à Monique Cantos-Perber, autre libérale. Suite à cette randonnée à cheval et puis suite à diverses aventures personnelles, c'est vrai que je suis entré dans la question écologique que je regardais d'un œil un peu distrait jusque-là, et que quand on commence à entrer dans cette matière, alors sur le sol avec Humus, maintenant je travaille sur l'eau, je prépare un roman qui s'appelle Aqua, et puis en écrivant ce livre-là et puis en vivant tout simplement, en vivant beaucoup à la campagne aussi, et quand on commence à véritablement à être abonné aux newsletters qui, tous les jours, nous donnent d'extrêmement mauvaises nouvelles, et à lire les littératures scientifiques sur le sujet, on ne peut que considérer que c'est le sujet majeur de notre époque, de l'humanité, voire même des millions d'années qui s'ouvrent, puisque nous sommes en train de vivre la 6e extinction de masse du vivant, et qu'il faut généralement 5 à 10 millions d'années pour que les espèces se reconstituent. Donc les perspectives ne sont plus là d'ordre social, mais d'ordre géologique. Et donc, évidemment, les deux positions, les deux idées, le libéralisme et l'écologie au sens large, enfin le souci de l'environnement, rentrent en collision de manière très simple. Est-ce que l'exercice de la liberté humaine, tel que nous le laissons quand même relativement étendu depuis 50 ans, n'est pas en train de ruiner cette liberté même, c'est-à-dire la possibilité d'exister sur Terre? Ce qu'on peut résumer dans un syllogisme assez simple, c'est que la nature existera sans la liberté humaine, il n'y a pas de problème, le vivant se reprendra, et 5 à 10 millions d'années, ce n'est pas grand-chose à l'échelle de la planète, de la vie. En revanche, la liberté, elle, ne peut pas exister sans la nature, et donc suite à ce syllogisme simple mais imparable, on devra préférer une dictature verte à un libéralisme écocidaire. Et donc tout ça vous montre un peu d'entrée de jeu la tension très forte entre ces deux philosophies, pourtant j'apprécie l'une et l'autre tout autant. Et on la retrouve historiquement, on la retrouve d'abord parce que les libéraux comme Karl Popper se sont toujours méfiés de l'écologie. Ils se sont méfiés de l'écologie, ils considéraient que l'écologie c'était quelque chose d'assez rétrograde dans le sens où elle visait à travers la pensée du vivant, la pensée de l'écosystème à construire des sociétés closes, des sociétés holistes, des sociétés très normatives. Et donc Popper, qui était assez ouvert sur ces sujets dans les années 50, finit par une détestation radicale des Grünen dans les années 80. En France, Luc Ferry a suivi à peu près la même voie. Et donc il y a politiquement et philosophiquement très forte hostilité du libéralisme classique vis-à-vis de la pensée écologique qu'elle soupçonne d'un irrationalisme heideggerien. Mais on peut aussi noter qu'au XIXe siècle, les premiers libéraux sont sensibles, très sensibles à la question de la nature. John Stuart Mill, dès le milieu du XIXe siècle, nous explique, contre Jean-Baptiste Say à l'époque, qu'on ne peut pas avoir, raisonnement hyper classique depuis le rapport Meadows, qu'on ne peut pas avoir de croissance infinie sur des ressources finies. On est en 1850, et donc c'est pour ça que John Stuart Mill appelle à une sorte de stationary state, idée qui revient à la mode chez les économistes américains aujourd'hui, c'est-à-dire d'état de à-croissance, de non-croissance, ni décroissance, ni croissance, mais enfin d'équilibre. Et puis notre ami Tocqueville, que j'ai tant lu, notamment sur la question justement des normes et de la bureaucratie, notre ami Tocqueville est à la fois le philosophe de la démocratie que l'on connaît, et aussi, il est presque lamartinien dans son rapport à la nature. Il a écrit un petit texte qui a été édité à titre posthume. À la fin, justement, de son voyage aux États-Unis, il part dans les forêts du Michigan à cheval, lui aussi, toujours avec Gustave de Beaumont. C'est édité sous le titre « 15 jours dans le désert ». Et il marche sous la canopée, dans la forêt primaire.
il voit que dans une forêt primaire, les troncs tombent et ne sont pas, les troncs morts ne sont pas débités, ils se dégradent lentement. Il entend les chants des oiseaux. Enfin, voilà, il a des passages très poétiques hein, sur le fleuve. Il a aussi un passage très nostalgique par anticipation sur le fait que tout ça va disparaître. Et que la modernité, que par ailleurs il appelle de ses voeux, va détruire ces forêts primaires et d'ailleurs les communautés qui y vivent, puisqu'il est très touché par la manière dont les communautés premières qu'il rencontre là-bas vivent sur un pied d'égalité. Et donc c'est comme si, à la naissance du libéralisme, il y avait comme un regret par anticipation de tout ce qu'on allait détruire. Et donc évidemment, la question qui se pose, c'est la question que pose Serge Audier dans son livre sur l'écologie, la société écologique, j'ai une hésitation sur le titre, et la question de départ, c'est peut-on imaginer une société ouverte écologique, société ouverte au sens popérien, c'est une société où les gens sont libres de décider de leur vie, de faire leur propre choix, et qui soit néanmoins respectueuse des écosystèmes au sens où elles ne mettent pas en danger la pérennité de notre espèce. D'où, je pense, cette intitulée « Nature et liberté en 2050 ». Alors, pour repartir un peu sur des bases plus peut-être positives, pour répondre à cette question, j'aimerais reprendre l'histoire à partir du sol sur lequel nous marchons, de notre humus. Puisque c'est un peu ça l'idée, c'est que nos contrats sociaux, le libéralisme, c'est fait pour des sociétés abstraites où les individus se croisent les uns les autres dans un monde idéal et où, suivant nos convictions, on va rajouter plus de redistribution, plus de liberté, plus de ceci. Mais enfin, tout ça se fait dans une bulle entre hommes. Et aucun de nos grands contrats sociaux qui fondent nos sociétés aujourd'hui ne prend en compte l'environnement dans lequel c'est le sol sur lequel ces relations se développent. Donc je vous propose de repartir de là, de repartir du sol, de l'humus, dont j'ai découvert un peu les mystères et les secrets en me documentant pour ce roman. Et avant d'esquisser des considérations agronomiques, j'aimerais dire à quel point l'humus sur lequel nous marchons a une fonction métaphysique. Parce que le sol, c'est-à-dire cette bande de 40 cm qui est extrêmement vivante, qui fourmille de vie, vous rendez-vous compte que sur un sol naturel, vous avez 3 tonnes de vers de terre à l'hectare. Donc c'est une vie considérable, c'est la première biomasse au monde. Ce qui est sous le sol pèse beaucoup plus lourd que les pauvres animaux vertébrés ou les oiseaux qui sont au-dessus du sol. On connaît seulement aujourd'hui 1% des espèces vivant dans le sol. Donc tout ça grouille et on ne le connaît pas encore, alors qu'on connaît si bien le cosmos et l'espace. Et la fonction métaphysique de ce sol, c'est de transformer la mort en vie. C'est ce qu'il fait depuis des milliards d'années. Il assimile les cadavres, essentiellement les cadavres de plantes à 99%, et il les décompose. C'est-à-dire qu'avec les bactéries, les champignons et mes amis les lombriques, ils vont casser ces molécules complexes qui forment les corps carbonés, les corps organisés. Ils vont les disperser en petits éléments biogènes, nutritifs, qui vont ensuite être assimilés par les plantes, qui vont elles-mêmes nourrir les herbivores, qui vont elles-mêmes nourrir les carnivores, etc. Et donc, constamment, ils décomposent la mort pour produire la vie. S'il n'y avait pas de sol, eh bien, les cadavres s'entasseraient, et au bout de quelques générations, le ciel serait bouché par la mort. Un cadavre n'a aucune raison de se décomposer par lui-même. Si vous le lancez dans l'espace, il va rester cadavre pour l'éternité. Et ce sont tous ces animaux qui viennent le décomposer et qui permettent à d'autres d'émerger. Et donc, quelque part, cet humus que nous méprisons tant, eh bien, il crée la possibilité du temps, de la temporalité sur Terre. Et il nous donne aussi une mesure du temps. Il est intéressant de savoir que si on prend une roche mère nue, il faut attendre 1000 ans pour que se constitue naturellement, à travers les apports du vent, pour commencer, une couche d'humus et une forêt primaire. 1000 ans. Et c'est ça le rythme, un peu, de notre planète. C'est l'humus qui donne le rythme. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ravale les façades des immeubles. On ravale les façades des immeubles, non pas parce qu'elles sont polluées. La noirceur que vous voyez n'est pas la pollution. C'est essentiellement le début du sol, qu'on appelle la pédogénèse, la naissance du sol. Ce sont des petites particules qui commencent à constituer un sol. Et donc, qu'est-ce qu'une ville? Et au-delà de ça, même, qu'est-ce qu'une civilisation humaine? C'est un effort
colossal pour essayer de gommer le sol. Parce que le sol, constamment, il détruit et il permet de recréer. Et nous, ce que nous essayons de faire, c'est de créer des choses immarcessibles, des choses éternelles, des rues qui soient là pour toujours ou pour plusieurs générations. Mais on voit bien que dès qu'on cesse de les entretenir, ne serait-ce que pendant quelques mois, le sol revient à toute vitesse. Regardez pendant le Covid, regardez Tchernobyl aujourd'hui. Au bout de quelques mois, les canalisations pètent, les arbres, les racines des arbres cassent le bitume, le sol commence à naître sur les façades. Et au bout de 40 ans, regardez Tchernobyl, grande ville soviétique bétonnée, c'est une forêt vierge, Tchernobyl, avec plein d'espèces vivantes, sauvages, plus grande réserve de biodiversité aujourd'hui en Europe, et des chevaux de Przewalski, les derniers chevaux sauvages, qui se baladent sur les anciens trottoirs soviétiques. Constamment, le sol pousse, et constamment, nous essayons de le retenir. Le premier qui a compris ça, c'est Darwin, qui écrit, à la fin du XIXe siècle, son dernier livre sur les lombrics, en postulant, enfin, en étant le premier, en tout cas, à comprendre que les vers de terre sont les laboureurs naturels du sol. Il en fait l'espèce la plus importante dans l'évolution naturelle. Et il explique que c'est pour cela que les ruines sont sous terre. Les ruines sont sous terre, non pas parce qu'elles se sont enfoncées magiquement, mais c'est parce que le sol a remonté. Et il a remonté sous l'action de millions, de millions et de millions de lombrics qui, sur plusieurs générations, l'ont enterré. Parce que le sol est remonté. Ces petits turicules, c'est la terre que les lombrics ramènent patiemment de bas en haut et qui permettent justement de renouveler notre sol. Et ce sol-là, pourtant, nous l'avons toujours méprisé, puisque dans la philosophie, il est bien difficile d'en trouver une trace. Selon mes modestes recherches que vous trouverez dans ce livre Agrophilosophie, le premier philosophe qui parle de l'humus, c'est Élisée Reclus. On est à la fin du 19e. Tout ça arrive à la fin du 19e. D'ailleurs, la pédologie, c'est-à-dire la science du sol, naît formellement à la fin du 19e siècle. Mais avant, il n'y a rien. Dans le Théétète de Platon, Socrate raconte l'histoire de Thalès, qui marche dans un champ, regarde le ciel, parce qu'évidemment, il est à l'époque à la fois philosophe, mathématicien et astronome, et tombe dans un trou. Et là, Socrate nous dit qu'une servante Thrace, une femme, notons-le, lui dit « Regarde un peu où tu mets les pieds au lieu de regarder toujours au-dessus de ta tête. » Et au fond, jusqu'à Darwin, personne n'a suivi le conseil de la servante Thrace. Tout le monde a regardé le ciel. Nous avons investi depuis 2500 ans des ressources absolument considérables pour quelque chose qui ne sert à rien et qui est mort, c'est-à-dire de comprendre le cosmos, d'aller sur la Lune, d'explorer les trous noirs, de construire d'immenses télescopes, et nous n'avons pas construit les microscopes qui nous permettent de comprendre comment fonctionne le sol sur lequel on marche. Et donc nous avons pris un grand retard qui explique qu'aujourd'hui on connaisse scientifiquement si mal cet humus. Et puis cet humus, il donne quelque part, je trouve, enfin en tout cas à titre personnel, mais là ce sont peut-être des considérations plus intimes, il donne un sens. Il donne un sens à la vie et un sens à la mort. L'angoisse existentielle décrite par Sartre commence dans la nausée, passage que tout le monde a lu en terminale, par la contemplation d'une racine de marronnier. Et donc le narrateur se retrouve dans ce jardin public, regarde la racine de marronnier, la trouve noueuse, inerte, sans nom, compacte, etc., une sorte d'objet brut, sans signification. Et donc, devant cette absence totale de signification de la racine, cette espèce de gros morceau qui ne sert à rien, il éprouve l'angoisse, et l'angoisse, c'est l'angoisse du néant. L'angoisse du néant qui guide tout l'existentialisme, c'est-à-dire toute la philosophie après Dieu, quelque part. Et pourtant, si on regarde cette racine comme un objet agronomique, si on la lie à l'humus, si on comprend, ce que visiblement Sartre ne sait pas, qu'elle vient là pour pomper les sucs de la terre, pour les donner à l'arbre, pour à l'inverse irriguer le sol en reprenant l'eau qui coule, et bien tout d'un coup, on se sent mieux. On ne trouve pas ça absurde, on ne trouve pas cet objet sans signification. On trouve au contraire qu'elle est en plein dans le processus rassurant de la vie. Et d'une certaine manière, je trouve que pour quelqu'un qui n'est pas croyant, ça donne un sens à la mort, l'idée que immédiatement les particules de notre corps vont aller alimenter la vie. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez aujourd'hui toute une
tendance, si j'ose dire, très vive aux États-Unis et qui commence à arriver en France, même si, comme toujours, la loi l'interdit, qui est l'humusation, c'est-à-dire l'idée que la meilleure manière de disposer de son corps après sa mort, eh bien, c'est de le laisser à même le sol ou dans des... Alors, les États-Unis font toujours les choses de manière plus spectaculaire, donc c'est dans des caissons hermétiques avec plein de matière organique. Le corps se décompose de manière naturelle et au bout d'un an, pour aller vite, on donne des sacs de terreau à la famille sur lesquels peuvent pousser des grands arbres ou pas. Mais voilà, c'est une manière, je trouve, de donner du sens à notre corps et à notre existence. Donc, une fois qu'on a compris ça, et puis donc, évidemment, je ne m'étends pas sur les aspects agronomiques, qui est qu'un sol vivant, par le retraitement qu'il fait de toutes ces particules des corps organiques qu'il décompose, eh bien, est naturellement fertile. Évidemment, pas besoin d'engrais. Je viens vous annoncer une très mauvaise nouvelle, c'est que nos sols, qui constituent notre humanité, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, étymologiquement, vous savez bien, l'homme vient de humus, ainsi qu'humilité, et si dans toutes les grandes religions, l'homme est créé, la femme sont créés depuis la terre, la poussière, la glaise, et y retournent. Cet humus, donc, qui nous est si essentiel, eh bien, nous n'en prenons pas soin. Et pour moi, c'est une faute qui est bien au-delà d'une faute agronomique, qui est une faute métaphysique, une faute politique aussi. Franklin Delano Roosevelt, il y a un siècle exactement, lors du Dust Bowl aux États-Unis, qui était cette espèce d'énorme nuage de poussière, qu'on peut lire chez Steinbeck, par exemple, qui était dû au labour trop intensif et qui avait complètement ruiné les cultures, avait dit « A nation that destroys its soils destroys itself ». Une nation qui détruit son sol se détruit elle-même. Parce que détruire l'humus, c'est être, au sens étymologique, inhumain. Et c'est ce que nous faisons, puisque en Europe, on estime que 60% des sols sont dégradés. Et dégradés, ça veut dire qu'ils ont perdu 80% de leur biomasse. Ce sont des chiffres tout à fait spectaculaires. Et comme toujours, vous avez des seuils de non-retour. C'est-à-dire qu'avec moins 80% de biomasse, vous avez encore la possibilité d'attendre, comme le fait un de mes héros dans mon roman, 5 ou 10 ans, de mettre plein de matière organique et de laisser la nature prouver sa résilience et se reconstituer. Mais quand vous passez sous ce seuil, vous atteignez la roche-mère et là, c'est fini, vous attendez 1000 ans. Donc, c'est assez vertigineux. Un politique anglais, comment s'appelait-il déjà, ministre de l'Environnement, bien connu, avait dit il y a quelques années, avait constaté la dégradation des sols au Royaume-Uni, il avait dit « Une nation peut survivre aux guerres, une nation peut survivre aux épidémies, mais une nation ne peut pas survivre à la destruction de son sol. » Et aujourd'hui, les rendements commencent à baisser, y compris, surtout d'ailleurs, dans les champs cultivés en conventionnel, parce qu'ils sont considérés comme des... Enfin, la terre est considérée, pour aller vite, hein, comme une simple étagère sur laquelle on verse des intrants et on récupère des plantes, et puis à un moment donné, quand le sol est mort, même ça, ça ne marche plus. Donc c'est quand même quelque chose de très grave et dont évidemment on ne parle pas, et au sens propre, le débat politique est aujourd'hui complètement hors sol. Bon, alors, donc moi c'était mon point d'entrée, si vous voulez, dans la question écologique. Et évidemment, ce que je viens de vous dire du sol reflète l'effondrement de la biodiversité sur Terre, au-dessus de la Terre, au-dessus de l'humus. D'autres que moi citeraient bien mieux tous les chiffres vertigineux qui nous sont donnés à lire régulièrement. Je ne citerai que celui du dernier rapport de WWF qui explique que 73% des populations d'espèces sauvages ont disparu en 50 ans. Trois quarts. C'est-à-dire, c'est pas, on ne parle pas de 1%, de 0,1%. Vous imaginez le déséquilibre, la perturbation créée quand trois quarts de la vie a été détruit par l'homme. Et ce trois quarts, on le retrouve beaucoup, que ce soit sur les oiseaux, 60%, les insectes, 75%, la biomasse, 80%. Enfin, on est toujours dans cet étiage. Et ceux qui, comme je suis un des plus jeunes, vous le disiez, André Comte-Sponville, je pense que tout le monde, du coup, a vu les pare-brises de son enfance couverts d'insectes, et aujourd'hui, les pare-brises n'ont plus besoin d'être nettoyées. Et c'est, en fait, complètement fou d'avoir éliminé la vie des airs, avoir éliminé la vie des sols, et ne pas comprendre qu'au-delà de la question du carbone et de l'énergie, sur laquelle le peu de débat public qu'il y a sur ces questions est entièrement focalisé, eh bien, c'est ça le plus grave. Alors, j'en profite d'ailleurs pour dire que la question de l'effondrement de la biodiversité
n'est pas, évidemment, est corrélée au dérèglement climatique, mais ne lui est pas entièrement liée. Les deux premières causes d'effondrement de la biodiversité sont l'IPBES, qui est un peu le GIEC de la biodiversité, sont la destruction des habitats et la surexploitation des ressources. Et seulement en troisième lieu vient le changement climatique. Ce qui veut dire, expérience de pensée, que si l'humanité parvenait par géo-ingénierie miraculeuse à expédier ces excédents carbone dans l'espace ou sous terre, ou que sais-je, enfin résolver la question du carbone et du réchauffement, resterait complètement entier le problème de la vie et de la manière dont on traite la vie, et donc de nos modes de vie à nous. Alors bon, pour les sceptiques, j'ai un petit paragraphe, pourquoi c'est mal, enfin, si certains se posent la question, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui disent, oui, mais c'est pas grave, on n'a qu'à remettre du phosphate, de l'azote, et puis du phosphate, de l'azote, on trouvera ça en Russie, puis tout ira bien. Pourquoi c'est mal? Parce que je pense que d'abord, aucune philosophie politique, aucune philosophie morale n'admet la destruction de la vie, et que si, en tant que post-croyant, il nous reste un seul critère, c'est bien les critères que nous fournit l'évolution naturelle elle-même, et les critères de l'évolution naturelle, c'est la diversité et la quantité, parce que c'est ça qui permet à la vie de se renouveler et de progresser. Quand on élimine la vie, le problème, c'est qu'on élimine le progrès, en fait. C'est-à-dire qu'on élimine la probabilité des mutations et des adaptations. Et puis, il y a une question tout à fait utilitariste pour nous-mêmes. C'est que, évidemment, que l'homme ne peut pas survivre sans les animaux, les écosystèmes qui l'entourent. Vous savez qu'en Chine, on commence à polliniser les arbres à la main. C'est-à-dire que comme il n'y a plus d'insectes, on envoie des gens avec des cotons-tiges polliniser les fleurs. Et puis, bien sûr, vous avez quelques technosolutionnistes qui vous expliquent qu'on va prendre des drones pour polliniser les arbres, comme s'il ne serait pas plus simple de construire des haies pour préserver les insectes. Alors, évidemment, après, les gens disent « Oui, mais tu es éco-anxieux. » Je dis « Le mot est faible. » Mais ne pas l'être, c'est faire preuve d'une irrationalité totale. Et notre cher Tocqueville, que dit-il à la fin de la démocratie, toute fin, dernier paragraphe de la démocratie en Amérique, une fois qu'il a décrit le risque du despotisme démocratique, bureaucratique, etc. Il dit « Je ne dis pas ça pour entretenir dans les cœurs une angoisse molle, mais pour provoquer une crainte salutaire qui nous poussera à l'action. » C'est bien cette crainte salutaire qu'il nous faut cultiver aujourd'hui. Alors, maintenant, j'en viens, si vous le voulez bien, à des aspects plus philosophiques, plus théoriques peut-être, sur justement la question du libéralisme lui-même. Maintenant qu'on a vu à quel point la question du vivant est centrale et à quel point sans lui, ça ne sert à rien, en fait, de parler du reste, voyons sur le plan théorique comment la prise en considération de la vie, de la biodiversité, bouleverse les fondements de la philosophie libérale sur laquelle, globalement, bon an, mal an, nos sociétés sont fondées. Et pour ça, j'aimerais prendre l'exemple de trois pommiers. On va rester dans les métaphores agronomiques. Pommier ou poirier, celui de Saint-Augustin, celui de John Locke et celui d'Henri David Thoreau. Alors, le poirier de Saint-Augustin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode dans les Confessions, où Saint-Augustin avoue qu'adolescent, avec sa petite bande à Carthage, il allait faire quelque chose d'atroce, un énorme péché, il a volé des poires. Et non seulement il les a volées, mais il les a baffrées. Il ne les a même pas volées parce qu'il en avait besoin, mais il les a volées pour s'amuser. Il les a volées parce qu'il avait envie de les voler, il avait envie de gaspiller. Et ça, c'est complètement impardonnable. Et saint Augustin s'en repent pendant tout son livre. Et il en fait un péché, qui n'est évidemment pas sans rappeler le péché originaire, originel, et d'ailleurs, c'est Saint-Augustin qui construit cette notion dans tout ce qu'elle a de punitif, dans son interprétation de la Bible. Est-ce que Saint-Augustin déteste plus que tout dans cet épisode du vol de poire? C'est le plaisir qu'il lui a pris, qu'il lui a procuré. C'est que, dit-il, ma faute fit leur saveur, la saveur des poires. Et donc, il construit ensuite une philosophie politique qui condamne les plaisirs terrestre, c'est-à-dire lui qui oppose de manière caricaturale la cité de Dieu, donc c'est l'ordre céleste, cosmique, le bien, et puis tout ce qui vient de la terre et qui, au fond,
est pollué par le désir, désir avec lequel il a un problème personnel, comme vous savez, parce qu'il était... toutes les confessions sont truffées de ces problèmes sexuels et finissent par une abstinence qu'il n'arrive même pas à tenir, puisqu'il prie Dieu de lui préserver de ses éjaculations nocturnes. Enfin, c'est n'importe quoi, mais c'est vraiment une philosophie de détestation du désir, détestation du plaisir, pour trouver Dieu en soi dans une sorte de purification interne très forte. Mais faisant cela, saint Augustin n'a rien compris à l'évolution naturelle. Parce que pourquoi les poires sont bonnes et poisseuses ? Et parce que c'est ce qui permet aux animaux frugivores, aux animaux qui mangent des fruits, de transporter les graines. C'est une ruse de l'évolution pour que les poiriers se reproduisent. C'est ce qu'on appelle en termes scientifiques, je vous l'ai noté, l'endozoochorie, chorie la dispersion, zo par les animaux, endo depuis l'intérieur, depuis les intestins. La nature vous demande de prendre du plaisir, elle vous demande de baffrer. Et c'est pour ça que je suis très contre l'idée que l'écologie, ce soit la sobriété, le dépouillement, encore plus évidemment la punition. Parce que ce que j'essaye de montrer avec ce passage, c'est que la notion de culpabilité qui hante saint Augustin, qu'il fonde dans la théologie chrétienne, et qui, si on croit Nietzsche, ensuite nous poursuit jusqu'à aujourd'hui, la notion même de culpabilité est anti-écologique. C'est construit contre la nature, c'est construit contre les poires. Alors que l'écologie doit être justement non coupable. Elle doit nous permettre de jouir. Ça, c'est la première chose qui bouleverse quand même, quelque part, une sorte de fondement moral puritain de nos sociétés. Ça, c'est le fondement moral. Mon deuxième pommier, poirier, parce que Saint-Augustin parle de pomum, apparemment, ça peut vouloir dire les deux, donc voilà, je laisse ambiguïté. C'est la question économique. Et là, j'en arrive au pommier de Locke. Puisque Locke, quand il construit le droit de propriété dans le second traité du gouvernement civil, à la fin du XVIIe siècle, en pleine Glorious Revolution anglaise, qui est vraiment un passage fondamental pour l'organisation de nos sociétés, parce que c'est celui qui justifie le droit de propriété et la valeur travail, quelle est la métaphore qu'il emploie ? Il dit « je vois une pomme, je cueille la pomme, je mange la pomme. À quel moment suis-je devenu propriétaire ? Est-ce que c'est quand je l'ai vue ? Est-ce que c'est quand je l'ai cueillie ? Est-ce que c'est quand je l'ai mangée ? Est-ce que c'est quand je l'ai digérée ? Est-ce que c'est quand je l'ai excrétée ? Et vous voyez bien que, suivant la réponse que vous donnez à ces questions, vous aboutissez à des philosophies politiques complètement différentes. La réponse de Locke, c'est « j'en suis propriétaire quand je l'ai cueillie, parce que quand je l'ai cueillie, j'ai mêlé mon corps à la nature, j'ai effectué un effort, un travail, et donc c'est ce travail qui rend légitime l'appropriation. » Et d'ailleurs, ce travail va créer de la valeur, et c'est le début de la valeur travail. Et Locke explique dans le texte que grâce à son travail, l'homme peut augmenter le rendement d'un espace naturel, agricole, de 1 à 10. Et il écrit d'ailleurs, quand il est aux États-Unis, des essais agronomiques pour importer les oliviers, les faire fructifier, etc. Donc, très bien. Maintenant, réintroduisons le vivant dans cette histoire, dans cette métaphore. Mais cher John Locke, la pomme n'a pas poussé toute seule, elle n'est pas arrivée du ciel. La pomme s'est constituée parce qu'il y avait des vers de terre, des milliards de bactéries, des cours d'eau qui ont permis de l'irriguer, des abeilles, des insectes, des bourdons qui ont permis de le polliniser. Bref, la pomme n'a existé parce qu'il y avait tout un écosystème autour. Si on introduit cet écosystème, qui est propriétaire de la pomme ? Est-ce que c'est l'abeille ? Est-ce que c'est le vers de terre ? Est-ce que c'est la vache qui a pâturé et qui a permis aux pommiers de mieux grandir, de grandir sans concurrent ? Bref, vous voyez bien qu'on atteint là le fondement même du droit de propriété, et on le conçoit un peu spontanément. Le droit de propriété, c'est avant tout l'abusus, c'est la possibilité de détruire. Pour moi, c'est ça qui caractérise le droit de propriété, l'usus fructus, mais abusus. Est-ce que vraiment on a le droit de détruire un terrain ? Le droit de propriété, il est agraire dans son origine. Est-ce que quand vous possédez un terrain, vous avez le droit de détruire, de tout détruire, de détruire des millions d'années de travail qui ont permis de constituer un humus aussi cohérent et vivant ? Il me semble qu'instinctivement, on dit « bah non, bien sûr que non ». Oui, mais si on n'a pas le droit de détruire, c'est qu'on n'est pas propriétaire au sens plein. Et c'est que l'absoluité du droit de propriété, qui fonde aussi notre déclaration des droits de l'homme, doit être mise en cause. Nous n'avons pas le droit de détruire. Alors, peut-être nous avons le droit de détruire certaines choses, mais dans certaines conditions, et j'y reviendrai. Voilà.
Et puis le troisième fondement que ça ébranle, c'est le fondement politique du contrat social. Et là, cette fois, j'en appelle au pommier de Henri-David Thoreau. Henri-David Thoreau, son dernier texte, c'est un texte... Donc Henri-David Thoreau, vous voyez, c'est ce penseur, un des premiers penseurs de l'écologie au XIXe siècle, américain, dans le mouvement de la wilderness, qui est célèbre pour avoir construit une cabane et y être resté deux ans à côté du lac Walden, ce qui donne le livre Walden, et puis qui est un poète. Un des premiers poètes, peut-être, de la nature. D'ailleurs, je dis n'importe quoi, puisque c'est évident Virgile, donc voilà. Mais bon, et donc Thoreau, à un moment donné, il remarque qu'il reste des pommiers sauvages près de son lieu d'habitation. Et donc, il va cueillir la pomme, il la mange, il dit « c'est dégueulasse ». Parce qu'effectivement, c'est des petites pommes à cidre. Pourquoi ? Parce que le pommier sauvage a dû déployer beaucoup plus d'efforts que le pommier domestique pour pousser. Parce que le pommier domestique, c'est facile. Il est protégé par l'arboriculteur qui lui a mis un petit corset, qui l'a dégagé des autres arbres. Et donc, il n'a qu'une chose à faire, c'est de pousser. Et puis, en plus, il est bien taillé pour produire des fruits. Le pommier sauvage, qu'est-ce qu'il a dû faire ? Pendant des années, il a dû construire une espèce de maquis d'épines pour se protéger des cervidés, des herbivores qui allaient le manger. Une fois qu'il a constitué son massif d'épines, il peut commencer à monter. Et puis une fois qu'il monte, sa priorité, ce n'est pas de faire des fruits, c'est de fortifier son tronc pour se protéger, encore une fois, de ceux qui voudraient le manger. Donc évidemment, le fruit qui reste, c'est un fruit qui n'est pas très goûteux à notre goût. Et c'est là que Thoreau dit, oui, mais c'est parce qu'il faut avoir le goût sauvage. Il faut soi-même redevenir un peu sauvage, se renaturer, pour pouvoir apprécier ce fruit sauvage. Et donc, il ne faut pas juste cueillir la pomme comme Locke, comme ça, un dimanche. Il faut avoir marché dans les champs, s'être déchiré sur les épines, avoir eu froid, avoir connu les tempêtes, être un peu ensanglanté. Et puis, une fois qu'on est redevenu un peu sauvage, on va prendre cette pomme et tout d'un coup, on aura le goût sauvage et elle va de nouveau nous sembler bonne à manger. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand Thoreau, vous savez, donc l'histoire de la désobéissance civile, c'est qu'il refuse de payer les impôts au gouvernement fédéral américain parce qu'il est esclavagiste, donc c'est le début du concept de désobéissance civile. Il est emprisonné, alors c'est comme la cabane hein, chez Thoreau, tout est un peu ambigu, il est emprisonné une nuit parce que sa tante vient vite payer la caution. Qu'est-ce qu'il fait ? La première chose qu'il fait quand il sort de prison, il va cueillir des mûres sauvages. Et en fait, pour moi, cette histoire de sauvage est très liée à la désobéissance civile. Parce qu'en fait, ça vous donne une extériorité par rapport à la société de laquelle il est légitime de la juger. Quand vous êtes prisonnier du contrat social, quand votre seul horizon, c'est le contrat social, finalement, on peut toujours vous dire « oui, mais c'est la loi, c'est ce qu'on a voté, la loi est légitime, et puis point barre, bah, au nom de quoi vais-je la contester ?» Il dit « mais j'ai une pierre de touche pour contester la loi, et c'est ces allers-retours que je fais entre la société et le sauvage. » Mais ça, ça donne sa légitimité, qui est impensable, en fait, sous le contrat social démocratique, à la contestation de la loi même. Et on comprend parfaitement d'où viennent les militants écologistes aujourd'hui qui prônent et qui activent la désobéissance civile. Ils viennent exactement de cette philosophie-là et ils construisent cette légitimité-là. Donc vous voyez que l'irruption du vivant, nos trois pommiers, mettent quand même à mal beaucoup de nos certitudes libérales. Il me reste combien de temps ? Il vous reste à peu près 10 minutes. 10 minutes. Bon, je n'aurai pas le temps de vous donner la solution, alors. Alors, 12 minutes. Ça va. Voilà. La négo commence. Donc, une fois qu'on a compris le problème, quelles sont les options politiques, au fond, philosophiques, qui s'ouvrent à nous ? Moi, j'en vois trois qui ne seront évidemment pas celles que je choisirai. La première, c'est... Je vais passer vite, parce qu'elle est un peu ridicule. C'est l'idée que la technologie va tout sauver. Alors, je sais que c'est très populaire hein, dans les milieux économiques. J'ai même pas envie de la réfuter trop longuement, tellement c'est débile.
J'aimerais juste comparer les technosolutionnistes aux macaques à longue queue de l'île de Koram, près de la Thaïlande. Que font les macaques à longue queue ? Donc, il y a deux îles, l'une où il y a assez peu de macaques, les macaques mangent des huîtres, et il y a un nombre de macaques par portion littorale qui est satisfaisant, et donc continuent à manger leurs huîtres, tout va bien. Et puis sur l'île de Koram, il y a seulement 55 mètres de rivage par macaque, et donc les macaques surexploitent les huîtres, ils mangent trop d'huîtres. Donc il n'y a plus assez d'huîtres, il n'y a plus assez de ressources. Et là, que font les macaques à longue queue ? Il ne reste plus que des petites huîtres. Et du coup, ils ont développé des nouveaux outils, des nouveaux process pour aller ouvrir les petites huîtres. Et donc, les macaques à longue queue sont technosolutionnistes. Ils vont trouver des outils de plus en plus perfectionnés. C'est l'équivalent du gaz de schiste, si vous voulez, la petite huître. Il n'y a plus de pétrole, ce n'est pas grave, on va faire des choses encore plus complexes pour aller fouiller encore plus profond, sans comprendre qu'on est simplement en train d'abuser d'une ressource qui est limitée, d'un biotope qui est fini, et dont nous ne pouvons pas exploiter à l'infini. Bon. La deuxième option, c'est la planification, la fameuse planification écologique. C'est l'option des ingénieurs. C'est vraiment l'idée jean-covicienne que les bons ingénieurs vont faire un grand plan avec tous les secteurs, et puis vont décarboner ceci, cela, vont opérer une transition agroécologique ici ou là. Mais cette option-là, évidemment, premièrement, elle conduit à une restriction des libertés qui est, je pense, pratiquement inacceptable dans la société démocratique dans laquelle nous vivons. Je ne sais pas si elle est, je vous dis pas qu'elle est illégitime, je dis qu'elle est pratiquement impossible. Et puis, deuxièmement, moi, je reste férocement anti-bureaucratique. Et je pense d'ailleurs que l'amour de la nature, il est lié aussi à ça. C'est que aujourd'hui, finalement, on élève des hommes comme on fait de la monoculture, en oignon. Et que aimer la liberté, aimer la nature, c'est un peu le même sentiment. C'est l'idée qu'il faut chérir la singularité humaine comme la singularité vivante. Et donc, je ne vois pas comment une construction bureaucratique pourrait résoudre les problèmes générés par la bureaucratie elle-même. Ça me paraît complètement utopique. Et j'ai bien aimé vous savez, Max Weber, quand il décrit, à la fin de son livre sur le capitalisme, quand il décrit la question de la bureaucratie et qu'il dit « Nous sommes tous prisonniers dans nos sociétés industrielles d'une cage d'acier ». Et personne n'a commenté, à ma connaissance, la fin de la phrase. Il dit « Cette cage d'acier existera tant qu'il y aura encore une goutte de pétrole ». Incroyable. On est au tout début du XXe siècle. Et donc Max Weber lit très bien la question de la débauche énergétique à la question de l'emprise bureaucratique. Il dit c'est la même logique. Et donc pour sortir de l'une, selon moi, il faut aussi sortir de l'autre. Et puis vous avez une troisième option, plus maligne, mais qui n'est pas la mienne, qui est celle du réensauvagement, la deep ecology, qui consiste à dire, bon, les humains, on fait n'importe quoi, on va les packager dans des villes bien serrées, pour faire plein d'économies carbone dans des grands immeubles bien gérés avec de l'IA. Et puis à côté, on va pouvoir réensauvager la nature, c'est-à-dire la laisser à elle-même dans des grandes zones protégées. Cette logique de conservation est au fond une logique anti-évolutionniste. Les évolutionnistes, d'ailleurs, la plupart des biologistes s'opposent à cette idée-là. Il n'y a pas de réensauvagement. Il n'y a plus vraiment de sauvage. Toutes les espèces se sont adaptées à la présence humaine, comme l'homme s'est adapté à la présence des espèces. L'évolution est une longue course d'entre-adaptation. Et donc, il n'y a aucune raison, l'idée de revenir à un état originel, c'est vraiment un mythe de l'âge d'or ou des communautés premières qui n'a pas de sens. Donc il faut apprendre, et qui par ailleurs réintroduit une binarité que la modernité, à laquelle la modernité de Descola et d'autres, essayent d'échapper entre nature et culture. Au contraire, il faut renaturer l'homme et le remettre dans son environnement pour qu'il y ait une action bénéfique, positive, comme il peut le faire. Et par ailleurs, la nature, et c'est elle-même, peut faire absolument n'importe quoi. Un biologiste que j'aime beaucoup, Marc-André Solos, explique que quand l'homme se demande pourquoi l'homme n'est pas capable de réguler son climat, etc., alors que toutes les connaissances scientifiques sont disponibles, il dit, mais précisément parce que l'homme est un être biologique, et que l'évolution naturelle fait de toutes les espèces des espèces potentiellement invasives qui n'arrivent pas à concevoir le long terme. Il dit, nous sommes parfaitement conformes à ce que la nature veut de nous,
quand nous sacrifions le long terme au court terme. C'est exactement ce que font les espèces, et il n'y a pas d'ordre ni d'harmonie dans un milieu naturel. Voilà. Donc, c'est pour ça que ma ligne directrice, moi, pour m'en sortir, et pour trouver donc, ce qui est le projet de cette conférence, une société ouverte écologique, c'est de m'appuyer justement sur l'idée d'interaction et de replonger l'homme dans son milieu et de lui permettre d'interagir avec son milieu de manière positive. C'est toute la philosophie d'Élisée Reclus que je vous supplie de lire, qui est ce géographe anarchiste, communard, mais styliste, et puis quand on le lit, homme de goût, d'humour, très sympathique à travers ses livres, Élisée Reclus, qui est un des premiers théoriciens de l'écologie, mais qui est aussi un humaniste. Et il parle, c'est lui qui parle de l'humus, c'est lui qui parle ensuite du sol humain, et il dit de même qu'il y a un sol végétal qui constamment retraite les déchets et qui les recycle. Il doit y avoir un sol humain qui parvient à construire avec son environnement immédiat une relation dans laquelle l'action de l'homme est bénéfique pour le milieu lui-même. L'homme peut augmenter la biodiversité, peut avoir une action meilleure, si vous voulez, au nom même des critères portés par l'évolution naturelle, que la nature laissée à elle-même. Le mal que l'homme a fait, écrit Élisée Reclus, l'homme peut le défaire. Pourquoi ? Parce que l'homme, c'est la nature prenant conscience d'elle-même. Et il assume cette position un peu... Il ne se flagelle pas l'humanité, comme ceux qui sont pour le réensauvagement. Il dit, oui, l'homme a cette intelligence, cette position privilégiée dans la chaîne trophique. Et conscience de la nature, conscient des processus de la nature, il peut faire mieux que la nature. Il peut, parce que la nature s'en fiche de la biodiversité. Mais l'homme, il peut agir en sa faveur. Qu'est-ce qu'on fait quand on réintroduit un loup dans le parc du Yellowstone ? On permet de diminuer la population de cervidés, qui permet aux arbres de repousser, qui permet aux castors de revenir, qui permet au milieu aquatique de se régénérer. Et ça, c'est une intelligence humaine qui s'est dit ça. On va réintroduire le loup. Qu'est-ce qu'on fait quand on réintroduit des bisons dans les Carpates en Roumanie ? On permet de stocker 50 000 tonnes de carbone. Donc, à travers notre intelligence de la nature et à travers la science, et j'insiste vraiment là-dessus, pas à travers la technologie, mais à travers la science la plus contemporaine, agronomique et médicale et biologique, nous pouvons faire bien. Bon, ça conduit aussi à toute une vision de la société, puisque ce n'est pas pour rien qu'Élisée Reclus est anarchique, mais anarchiste, mais peut-être j'y répondrai pendant les questions. Ce que je voulais vous dire, puisqu'il me reste peu de temps, c'est que pour répondre à la question de la société ouverte, je peux retrouver à travers cette vision de Reclus, mais en modifiant un petit peu les termes, les grandes bases d'une société ouverte, le progrès, la science, la démocratie, le marché et la liberté. Je les retrouve, mais je les nuance un peu. Je vais le faire très vite. D'abord, le progrès. Élisée Reclus, c'est un homme qui est pour le progrès. Il n'est pas question de revenir à un état primaire, un état arrière, un état de nature idéal. Mais simplement, d'ailleurs, il est inspiré en ça de Giambattista Vico, philosophe de l'histoire, qui dit que tout va par progrès et par regret, un regret avec un S. Et il dit, le progrès, c'est d'abord de savoir reconnaître ses erreurs. C'est vraiment une logique évolutionniste. Aujourd'hui, je pense que notre problème, ce n'est pas d'avoir fait des erreurs, ce n'est pas d'avoir fait de l'agriculture chimique. Ça a résolu des problèmes, de même que l'évolution naturelle résout des problèmes, en crée d'autres, les résout, etc. Mais notre problème aujourd'hui, c'est de ne pas savoir reconnaître cette erreur. Et une fois qu'on la reconnaît, nous avons l'intelligence nécessaire à la réparer. Bon, j'aime bien à ce moment-là rappeler que, parfois, l'abandon de certaines technologies est un progrès. Par exemple, les toilettes des trains SNCF. Vous savez bien que l'innovation technologique consistant à mettre des capteurs pour déclencher l'eau ne marche pas. Personne n'arrive, vous savez, vous faites le vaudou en espérant que l'eau vienne. Et puis, dans les nouvelles rames SNCF, un ingénieur de génie a eu l'idée de remettre une pédale qui marche et qui économise l'eau. Et bien ça, c'est un exemple de régression technologique qui est aussi un progrès. Bon, alors, ensuite, ça suppose de bien distinguer la science et la technoscience, la science et la technique. Aujourd'hui, c'est la science... Je ne vais pas avoir le temps de vous parler de la transition agroécologique, qui est, je pense, quand même la clé pratique de toute cette transformation. Mais c'est la science la plus poussée qui nous y appelle. Je lisais récemment un livre de Christian Bréchaud, qui vient de paraître chez Odile Jacob, La révolution des microbiomes, qui est un professeur de médecine, un patron de l'INSERM, de l'Institut Pasteur, enfin, ce n'est pas un zadiste,
qui explique que, voilà, on découvre que les bactéries communiquent entre nos intestins et les sols, ce sont les mêmes, et que donc, au-delà même de ce que nous ingérons, nous sommes ce sur quoi nous marchons. Bon, et donc il explique ça en termes très scientifiques, médicaux, et la dernière partie de son essai, c'est 50 pages sur la transition agroécologique. L'idée de One Health, une santé. L'agronomie, si vous allez sur le site de l'INRAE aujourd'hui, les agronomes qui, les mêmes qui, il y a 50 ans, prenaient la révolution verte et l'agrochimie, avec de bonnes raisons à l'époque, aujourd'hui, c'est que des papiers sur comment réussir l'agroécologie, quelles associations de culture, pour quel sol, quel couvert végétal, à quel moment. Pardon, j'en oublie, mais enfin, économiquement aussi, on peut s'amuser, pour ceux qui ont besoin de chiffres, à calculer la valeur des services écosystémiques rendus, 125 milliards de dollars, etc. Et si on réintroduit en fait de la logique, de la vraie logique économique, c'est-à-dire en considérant la terre comme un capital, et en considérant qu'une productivité, un rendement qui ne tient pas compte de l'obsolescence programmée de son capital est en fait, y compris en termes économiques, très classique, nul. Si on redonne de la valeur économique au sol et aux écosystèmes, et si on les intègre dans les comptabilités, là, vous voyez bien que la science économique elle-même nous appelle à faire de l'agroécologie. Les hydrologues, qu'est-ce qu'ils disent les hydrologues? Ils disent aujourd'hui, on est obligé de dépenser des dizaines de millions pour construire des centrales de traitement d'eau, parce que l'eau est polluée. Alors plutôt que de construire des centrales de dénitrification avec de l'osmose inverse extrêmement sophistiquée, pourquoi ne pas cultiver les aires de captage où l'eau tombe en agroécologie, ce qui permet ensuite, en plus de filtrer l'eau, le sol est un dénitrificateur naturel, et après, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous mettez un peu de chlore pour enlever la matière organique toxique, et puis c'est bon, l'eau est potable. Ce que nous disent les agronomes, c'est pareil. Les hydrologues, les agronomes, les économistes, les médecins, la science d'aujourd'hui nous appelle à faire cette transition. Et cette transition, elle est coûteuse en savoir humain, mais plus coûteuse en savoir qu'en technologie. Et d'ailleurs, dans l'évolution de l'humanité, on a tendance à s'imaginer que c'est la technologie qui forge notre destinée. Et qu'il faut suivre l'évolution technologique. Et que c'est comme ça. Et que la charrue est apparue, l'homme s'est sédentarisé, les grandes villes se sont créées, les bureaucraties, et puis jusqu'à l'Union européenne. Et là, il faut lire David Graeber et David Wengrow, deux anthropologues, notamment Graeber, qui est vraiment le meilleur, pour moi, auteur du début de ce siècle, hélas décédé il y a quelques années, qui ont écrit « The Dawn of Everything », où ils revisitent l'histoire humaine, où ils expliquent qu'en fait, quand les technologies, les premières technologies agricoles sont apparues, les sociétés humaines n'ont pas embrassé comme ça la technologie tous dans le même sens, de manière unidirectionnelle, comme on nous l'apprend. Ils en ont fait un usage extrêmement différencié. Certaines communautés ont adopté la charrue, d'autres l'ont refusé, d'autres l'ont adopté puis ensuite l'ont rejeté, d'autres l'ont adopté 6 mois par an sur les bords du Nil. Bref, il y a eu autant d'usages qu'il y avait de valeurs politiques, de valeurs sociales. Et d'ailleurs, il n'est pas dit que le labour soit éternel. Aujourd'hui, la grande mode, justement, c'est de faire du sans-labour, c'est-à-dire de revenir sur 10 000 ans, de faire du semi direct, de revenir sur 10 000 ans d'usage de la charrue. Et donc, la conclusion de Weber et Wengrow, c'est dans notre évolution humaine, la technologie n'a pas été un moteur. Elle a été soumise aux valeurs politiques et sociales que se choisissaient nos communautés. Et tout ça, bon, là, c'est un peu dans le désordre parce que j'ai pas le temps de tout faire, mais et tout ça suppose, je pense, politiquement, je saute tout, tout ça suppose politiquement, je ne sais pas quel est le chemin politique pour arriver à ça, mais je pense qu'en termes, disons, de pensée de la démocratie, je ne vois pas comment on arrive à faire ces transitions-là dans une société organisée autour de l'État-nation, qui est vraiment une création de l'ère industrielle, dont les échelles de temps sont les échelles de temps de l'ère industrielle. Un mandat de 5 ans, 6 ans, c'est assez pour relancer une économie, faire diminuer le chômage, diminuer la dette. Enfin, je rigole parce que personne. Bon, mais normalement, c'est assez pour être jugé sur ses résultats économiques. On y arrive en 5 ans, on peut attirer des investissements, etc. Et pour être jugé sur ses résultats écologiques, non, ce n'est pas la bonne échelle de temps. La bonne échelle de temps, c'est 10, 20 ans. Donc je pense pas que les démocraties représentatives sont fondées sur l'ère industrielle et sur le développement de l'ère industrielle. Je pense que ce qu'appelle l'ère
agro-écologique ou agro-philosophique, c'est une démocratie beaucoup plus décentralisée, à la Tocqueville peut-être, où justement, parce que c'est décentralisé, c'est toute l'idée des biorégions, la responsabilité naît vis-à-vis de son environnement. Aujourd'hui, vous n'êtes pas responsable de votre environnement. Si le champ à côté de chez vous est plein de glyphosate, vous en foutez parce que vous buvez de l'eau qui a été traitée, parce que de toute façon, vous allez acheter votre nourriture dans une biocoop avec des produits qui viennent d'on ne sait où, mais qui sont validés bio. Et donc, ce n'est pas votre problème. Le jour où vous mangez local et où vous avez un pouvoir démocratique sur l'organisation sociale et agricole de votre territoire, ben, ça devient votre problème. Et donc, l'idée de redescendre l'échelle de discussion démocratique au plus proche du terrain, du local, c'est ça qui déclenche l'attitude écologique. C'est parce qu'on est responsable de quelque chose qu'on commence à en prendre soin. C'est pas l'inverse, c'est pas en devenant écolo qu'on va se mettre à manger local, etc. C'est en étant forcé de s'appuyer sur ces ressources locales. Et ça, ça vaut pour les villes aussi. J'ai pas le temps de le développer, mais Paris, au milieu du 19e siècle, était autonome quasiment sur le plan alimentaire, parce que les déchets de Paris alimentaient, les déchets des Parisiens et les déchets des chevaux alimentaient les potagers bio-intensifs de la Petite Ceinture, les maraîchers de la Petite Ceinture, et que tout ça revenait sous forme de fruits et légumes au hall. Donc, on peut penser l'autonomie aussi alimentaire des villes. Tout ça ne s'applique pas seulement aux campagnes. Et la binarité qu'on introduit est souvent excessive. Voilà. Et bon, et je conclue, parce que je pense que je suis trop long, et vous voyez bien qu'il y a trop de choses que je voulais vous dire. Je conclue non pas sur 2050, mais sur 2500. En reprenant ainsi la réponse qu'avait fait Arne Naess, qui est le fondateur de l'écologie profonde, un journaliste qui lui demandait « Êtes-vous optimiste ?» Il avait répondu, on était en 1960, « Je suis optimiste pour le 22e siècle. » Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que quelles que soient les erreurs, et peut-être au fond les erreurs que la biologie, que l'évolution naturelle nous pousse à faire de l'humanité, à la fin, l'histoire se terminera bien pour la vie sur Terre. Dans 5 ou 10 millions d'années, si je reprends les projections de Tatiana Giraud, on aura reconstitué la diversité des mammifères qui existaient avant l'arrivée de l'homme. Et 5 à 10 millions d'années, encore une fois, ce n'est pas grand-chose sur une planète qu'on a encore pour 4 milliards d'années avant l'explosion finale. Donc, moi, c'est une pensée qui me console. L'idée que, bon, de toute façon, tout ça va être détruit. Tout ça va être détruit, et même si ça prend beaucoup de temps, tout ça va finir par être recyclé. Et donc, notre empreinte n'est pas éternelle. Et l'humus, quelque part, pour revenir au début de cette conférence, va recycler nos erreurs. Donc, tout se finit bien à la fin. Mais évidemment, la question pour nous, dans les décennies qui viennent, c'est de savoir si l'humanité a encore une place dans les modestes siècles sur lesquels nous pouvons nous projeter. Et pour ça, je ne vois pas d'autre travail à faire que d'abord de plonger la main dans la terre, de cultiver son écosensibilité, de prendre conscience du vivant auquel nous sommes interdépendants, et d'en faire évidemment un sujet de discussion et un sujet politique premier. Voilà. Merci. Bien, merci beaucoup, Gaspard, pour ce bel exposé, à la fois stimulant, inquiétant et rassurant à très long terme. Tout finit bien. Le problème, c'est que tout finit. Et si on prolonge un peu les horizons temporels, on arrive à l'extinction ou à l'explosion du soleil, ce qui me semble relativiser votre optimisme à long terme. Mais c'est un autre... Enfin, c'était le même débat, mais à une autre échelle. La parole est à la salle, donc je rappelle la règle. Nos propos sont diffusés en direct sur Internet, resteront disponibles sur le site de l'Institut indéfiniment, encore en 2500. Et donc, il importe que chacun d'entre vous, avant de prendre la parole, commence par se présenter, son nom, éventuellement sa fonction. Sa date de naissance, comme on sait que c'est important. Hein. La parole est à la première ou au premier qui la demande. Vous levez la main, il y a des micro-baladeurs dans la salle. Cher monsieur. Bonjour, merci François Charles, président de l'IRCE. C'est un petit think tank généraliste. Bonjour. Alors, merci pour tout ça. J'avais un petit clin d'œil.
Nous, dans les programmes d'armement, on avait réussi à réintégrer les chiens qui ne sont pas technologiques pour détecter les explosifs, alors qu'il n'y a rien de techno, mais tant qu'on n'avait pas trouvé le truc du chien, voilà. Est-ce que, il y aurait plein de choses, mais est-ce que simplement on peut faire des comparatifs en termes économiques entre les politiques de Keynes avec intervention des États quand même, etc. Et puis le côté Schumpeter, vous avez parlé de libéralisme destructif, etc. Et puis finalement, quel pacte, on travaille sur les politiques publiques aussi, quelle politique agricole commune pour l'Europe unie dans la diversité, sachant qu'en plus, on essaie de réfléchir sur l'intégration de l'Ukraine, qui a des sols complètement riches, qui n'ont même pas besoin d'engrais, alors que ce n'est pas du tout les mêmes au Portugal, en Espagne, même en France. Voilà, merci. Si quelqu'un me propose, moi, comme je vous l'ai dit, pour répondre à la première question, je doute beaucoup que l'État puisse, structurellement, je veux dire philosophiquement, dans sa conception même, que l'État né de l'ère industrielle puisse résoudre ses problèmes. Maintenant, comme je mets à la fin du livre, je ne suis pas sectaire, et si quelqu'un me présente un brillant plan de transition agroécologique, arrive à entraîner la société et en faire un projet politique, je lui laisse sa chance. Et je pense que cette histoire de transition agroécologique, c'est vraiment le nerf de la guerre. Parce que avec ça, donc l'idée, c'est de l'agroécologie, c'est, j'en parle dans le livre en citant Thoreau, qui est en fait un peu un de ses fondateurs conceptuels, c'est de cultiver avec moins ou pas d'intrants et moins ou pas de labour, double contrainte. C'est-à-dire de cultiver avec du sol vivant. Comme dit Thoreau, je ne cultive pas des haricots, j'entretiens la terre de sorte qu'elle pense en termes de haricots. Il appelle ça la culture demi-sauvage. On en revient à ce que je disais d'ailleurs sur le rapport entre l'extérieur et l'intérieur de la société. Et donc, cette transition-là, elle suppose de construire, de trouver des solutions fondées sur la nature aux problèmes posés par la nature, type les chiens que vous mentionnez, les haies pour qu'il y ait des pollinisateurs, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un ravageur, vous allez essayer de trouver son prédateur naturel et de trouver les moyens pour l'accueillir sur le territoire. Vous constituez un écosystème, on appelle ça aussi l'agroforesterie parfois, autour duquel la nature va être naturellement fertile. Et ça demande beaucoup d'intelligence humaine, et ça procure des rendements, selon les études de l'INRAE, selon les expérimentations qui sont faites, qui sont supérieures à l'agriculture conventionnelle aujourd'hui. Ce n'est pas du tout de la décroissance. Et c'est pour ça que je suis très, très hostile à l'utilisation du terme productivisme. Le fait de dénoncer... Non, le problème de l'agriculture aujourd'hui, c'est qu'elle est chimique, qu'elle empoisonne tout, les sols, l'eau, la vie. Le problème, ce n'est pas qu'elle soit productiviste, tout agriculteur veut produire, et les permaculteurs babacool sont les premiers à être hyper fiers de montrer que sur un mètre carré, ils arrivent à produire de manière hyper intensive, on appelle ça bio-intensive. Le problème, ce n'est pas du tout de vouloir produire, le problème, c'est de vouloir produire en dépensant son capital. Il faut régénérer son capital et procurer du rendement. Donc le problème, ce n'est pas non plus l'échelle. Moi, je ne suis pas pour qu'il y ait des micro-fermes partout. Je pense qu'on peut faire ça à l'échelle. Vous avez aujourd'hui des expérimentations grandeur nature. Dans l'Andhra Pradesh, en Inde, est un État qui est passé depuis 5 ans à l'agriculture naturelle. Les rapports, j'y ai pas été. J'aimerais bien faire un reportage là-bas. Les rapports que j'ai pu lire sont excellents. Ils disent que les rendements augmentent. Alors, c'est d'autres conditions sociales qu'en France, mais enfin, les rendements augmentent, la santé augmente, tout va mieux, quoi. Ce qui veut dire aussi que l'argument selon lequel les pays du Sud doivent bien faire leur rattrapage avant eux-mêmes d'arriver... Non, ils peuvent faire du leapfrogging, comme on disait sur le plan technologique, sur le plan agricole aussi. La Corée du Sud fait aussi beaucoup de choses sur ce sujet-là. Et pour en revenir à la... Et donc maintenant, pour en revenir à la question de la PAC, effectivement, cette transformation-là, si on dit la transformation agroécologique, donc ça résout beaucoup de choses. Ça résout des questions agronomiques, des questions hydrologiques, parce que tout à coup, l'eau est mieux... Ça résout la question des inondations, enfin ça ne résout pas complètement, mais enfin l'eau est mieux absorbée, stockée par les sols, alors qu'aujourd'hui sur des sols qui sont très rigides, très durs, elle dévale et elle emporte tout en torrent de boue. On l'a beaucoup dit sur les inondations du Nord, par exemple, qui ont eu lieu cet hiver. Ça résout les problèmes de... Enfin ça résout, en tout cas ça améliore la santé humaine, c'est ce que je disais sur le microbiome. Ça, évidemment... permet de lutter contre l'effondrement de la biodiversité parce que vous introduisez des insectes, de la vie. Ça refaçonne nos paysages. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même assez transversal
Et à chaque fois que j'entre dans un sujet, on finit toujours par une conclusion sur l'agroécologie, y compris sur l'eau. Donc, comment on fait ça? Donc, encore une fois, si quelqu'un a un plan magique, je ne vais pas lui être hostile. Edgar Pisani, d'ailleurs, le ministre de l'Agriculture qui, sous De Gaulle, a complètement modernisé l'agriculture, a exprimé des regrets extrêmement forts à la fin de sa vie, a fondé un espèce de club de réflexion dans lequel il prenait tout l'inverse. Et aujourd'hui, effectivement, on pourrait rêver, à l'échelle européenne, évidemment, puisque c'est là que ça se joue, d'un Edgar Pisani qui fasse un plan de transition agroécologique. Mais ce plan ne peut pas se limiter à interdire le glyphosate. En fait, c'est un plan politique global, parce qu'il faut repenser le droit du travail, parce que vous aurez besoin de plus de manœuvres, il faut repenser l'aménagement du territoire, parce que les fermes seront conçues différemment, il faut repenser toute la chaîne agroalimentaire, toute la chaîne de valeur, il faut repenser la manière dont s'effectue la comptabilité même d'une exploitation agricole, il faut évidemment repenser la PAC. Donc il y a un agronome qui travaille sur tout ça, sur ces politiques publiques-là, qui s'appelle, bien nommé, Marc Dufumier. Voilà, et qui explique qu'il faudrait prendre toutes les subventions de la PAC et, à somme égale, les rediriger non plus à l'hectare, comme c'est encore quand même majoritairement le cas aujourd'hui, et ça encourage les grandes surfaces, les grandes exploitations, l'intensivité, mais sur le paiement de services écosystémiques rendus. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement global, qui touche l'éducation nationale aussi. Je pense que l'éducation nationale devrait envoyer les enfants dans la nature en permanence. Je suis effrayé quand je vois mes propres enfants qui ont connu tous les systèmes privés, publics, enfin, j'essaye tout, et je tombe toujours sur la même rigidité quand même. Et c'est cet enfermement, en fait, qui d'ailleurs, Élisée Reclus le dit, il dit heureusement, à son époque, il y avait encore des origines campagnardes, donc heureusement que les enfants ont 2 mois de grandes vacances, dit Élisée Reclus, parce qu'ils retrouvent, en courant près des ruisseaux, le goût de la liberté que 10 mois d'école républicaine leur a ôté. Voilà, donc c'est vraiment une transformation globale. Et s'agissant de la question normative, puisqu'on me dit « Ah oui, mais du coup, j'ai pour la norme, l'État, le règlement », je dis « Mais une norme simple est une norme beaucoup plus contraignante ». Et c'est là le malentendu qui s'est posé après la révolte des agriculteurs. Les agriculteurs ont dit « C'est absurde, il y a trop de normes, on coupe les normes », ils ont parfaitement raison. Qu'est-ce qu'a dit le gouvernement? Il dit « On va alléger les normes ». Non, simplifier, ce n'est pas alléger. Une norme simple est beaucoup plus dure qu'une norme complexe dans laquelle il y a tout un gruyère sur lequel les insiders peuvent s'infiltrer. Et expérience de pensée, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais si on disait comme pour les voitures électriques, comme pour les moteurs thermiques, au niveau européen en 2035, plus d'intrants chimiques, plus de labours profonds, ça tient en 2 lignes. C'est une loi extrêmement simple. Et là, vous pouvez enlever toutes les normes sur les zones humides, etc., parce que pour arriver à ce résultat ultra contraignant, toute la chaîne agricole devra se réorganiser avec des zones humides, parce qu'il n'y aura pas d'autre moyen, en fait. Et ça, je trouve que c'est pas complètement, peut-être pas dans ces termes-là, je ne suis pas assez qualifié pour le dire, mais c'est pas complètement irréaliste comme politique publique, et ça le mérite, justement, de la simplicité. Voilà. Nicolas Arpagian, donc je suis vice-président du cabinet de Mind Partners et j'ai le plaisir d'être membre du conseil d'orientation de l'Institut. Deux questions justement sur l'adjectif politique de cette écologie. Deux choses, la question de la contrainte, parce qu'en fait, jusqu'à présent, que ce soit depuis René Dumont, on a documenté et chiffré avec aussi bien le constat et les perspectives. Simplement, manifestement, il n'y a pas la phase d'opérationnalisation, le fait de le traduire dans les faits. Donc la question de la contrainte, est-ce que justement, même c'est compatible avec la démocratie, c'est-à-dire avec la volonté immédiate des électeurs? Dans quelques heures, on saura peut-être d'ailleurs si effectivement, on voit même que des électeurs refusent des éléments très, très matériellement, pourtant évidents pour beaucoup de gens, mais la question de la contrainte politique, de manière à effectivement, ce qui pose la question de la remise en question ou de la suspension démocratique. Et la deuxième chose, tu parlais de l'échelon local. Tout ce que tu as décrit dans cette dernière réponse correspond davantage à une logique presque fédérale. Pourquoi? Parce que entre eux, en fait, le vrai local, il démarre même avec les agriculteurs polonais pour un agriculteur français, avant même de parler de choses qui viennent d'outre-mer. Et donc la question, c'est est-ce qu'il y a certains échelons très local, mais que l'échelon naturel au-dessus, il est davantage fédéral de manière à arriver à la volumétrie et au collectif que tu mentionnais? Oui, c'est une très bonne question. Moi, vous verrez à la fin du livre,
J'hésite un peu entre ces deux options. J'avoue ma perplexité. Je pense qu'à court et moyen terme, étant donné les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui, étant donné la manière dont notre démocratie est organisée, on peut rêver à, effectivement, une espèce d'espace fédéral européen où cette transition agroécologique soit un peu maîtrisée et planifiée de manière holiste. Mais mon horizon philosophique et l'horizon souhaitable pour moi, c'est justement l'idée que c'est en décentralisant considérablement les procédures de décision, comme je le disais à la fin de l'exposé, que naturellement les gens vont avoir envie et besoin, en fait, sous la contrainte de ce type de politique. Je prends un exemple très simple, c'est la question de l'eau et la question des communs. Ignor Ostrom, vous savez, qui a fait toute sa théorie sur les communs, elle prend constamment l'exemple de l'eau dans les huertas espagnoles, comme de la gestion de l'eau en Californie dans les années 60. Pour expliquer que face à la question de la raréfaction de l'eau, le problème de la quantité d'eau, il y a deux options. Il y a l'option des tuyaux, qui est l'option centralisatrice, mais qui a une limite physique, parce que l'eau, c'est de la gravité, c'est pas comme l'électricité. Et puis, il y a l'option, justement, locale. De ce qu'on appelle aujourd'hui l'hydrologie régénérative, qui est de dire, bah, vous avez une ressource, vous en connaissez les limites, démerdez-vous. Et là, c'est passé aussi dans les villages corses pendant des siècles, enfin, et ce qui se passe, c'est que les gens s'organisent en commun pour traiter cette ressource. Ils disent, bah, on n'a que ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, ils commencent à se parler. Au lieu de dire, bah, oui, l'État nous a dit qu'il y a telle norme, ou l'État a mis tel prix sur l'eau pour inciter ceci, cela, ils disent, bah, non, on doit se parler pour gérer une ressource limitée. Et ces discussions créent des normes, mais qui sont des normes extrêmement locales, complètement appropriées et intégrées par les gens, sur lesquelles il n'y a même pas de révolte possible, parce que chacun se regarde pour vérifier que l'autre applique bien la norme, parce que c'est des choses qui sont vitales. Dans les huertas espagnoles, ça a duré quand même 1000 ans, donc c'est très soutenable comme système. D'ailleurs, Ignor Ostrom dit que c'est parfois moins efficace, mais c'est plus soutenable. Donc plutôt que de faire, voilà, administrativement, on dit, toi, tu as droit à ça, toi, tu payes tant, c'est les gens qui ont organisé eux-mêmes les tours d'eau, c'est-à-dire tours d'eau de telle heure à telle heure, et puis en fonction des contraintes de chacun, la petite vieille là-bas, on va lui donner un peu plus d'eau, lui, il fait telle céréale, on lui a demandé de changer de céréale, parce que vraiment, c'est pas possible, il a pas assez d'eau pour le maïs, il doit passer au sorgho. Donc, en fait, ça crée une contrainte sociale, à la Suisse un peu, mais qui permet de créer une norme très juste, au fond. Et en évolution perpétuelle. Et Ignor Ostrom décrit très bien ça, comment ces assemblées-là, non seulement gèrent les conflits, mais gèrent la norme elle-même, qui ne cesse d'évoluer de manière un peu floue, sans cadre institutionnel mis par écrit. Voilà. Et cette idée des communs, elle est très puissante. Elle s'incarne aujourd'hui dans un terme qui revient à la mode dans les milieux écolos, qui est la biorégion, l'idée de répartir le territoire en fonction de régions qui sont alimentairement, agronomiquement, culturellement cohérentes, ici on, probablement géologiquement aussi cohérentes, hydrologiquement cohérentes, et de créer ensuite dans ces micro, dans ces biorégions, de laisser advenir plutôt des formes de démocratie qui incitent naturellement les gens à les gérer, pas parce que les gens vont devenir vertueux, mais parce qu'ils auront face à une ressource rare et vitale. C'est-à-dire un bien commun, eh bien, ils auront une incitation absolument directe à être impliqués dans la négociation pour ne pas en être exclus. Donc, voilà, dans l'urgence, le type qui arrive, mais enfin, je ne le vois vraiment pas arriver avec un grand plan de transition agroécologique, je ne vais pas dire, oh, bouh, c'est l'État, il faut être un peu raisonnable, mais dans l'avenir, et si on me demande quelle est la forme démocratique idéale pour ce genre de projet, je pense que c'est voilà, une politique... j'aime pas tellement le terme décentralisé, carrément d'autonomie locale, biorégionale. Ah, pardon. Là, après, non, excusez-moi. Je suis désolé. Allez-y, monsieur, vous avez le micro. On va passer le micro. Je veux pas usurper, mais bon. Allez-y. Philippe Barrier, philosophe. J'étais très heureux d'entendre ce que j'ai entendu de votre part. Je suis convaincu de longue date. Il y a juste deux points sur lesquels
juste un tout petit peu critique. Le biologiste que vous avez cité à la fin montre que chaque espèce agit pour elle-même et dans l'immédiat, mais il se trouve que l'interaction donne quand même une réaction symbiotique, c'est-à-dire qui équilibre le milieu. Je pense que vous en êtes convaincu, c'est juste une nuance. La deuxième, c'est quand vous avez dit qu'il faut alors traiter la Terre comme un capital, c'est-à-dire intégrer ce qu'elle nous rapporte en quelque sorte. Je pense que c'est pour les 500 ans à venir, plutôt pour les 50, c'est un mot qu'il faut essayer d'oublier, ou plutôt de dépasser, si on veut que l'humanité ait un avenir, parce que c'est une des causes de la tragédie vitale que nous vivons. Et puis j'ai deux suggestions. Votre travail sur l'humus est tout à fait remarquable. Je pense que vous êtes au courant de la même chose sur l'eau, en particulier avec le livre de Baptiste Morisot, « Rendre l'eau à la terre », où il montre comment nous avons une méconnaissance crasse de l'hydrologie, en ayant privilégié le lit premier de la rivière, en ayant évacué... Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il prend l'exemple du castor, qui pendant 8 millions d'années, jusque les années 1200, a fait un travail magnifique pour le vivant, et qu'à partir du moment où les moines ont commencé à assécher pour cultiver, c'est-à-dire pour privilégier la terre, on a détruit, et on en est... L'eau est dans un état qui ne fait que couler tout droit vers la mer... dans un état qui est presque celui dans lequel était il y a 400 000 ans. Donc on a totalement détruit aussi l'hydrologie. Alors j'attends avec votre roman sur l'eau avec beaucoup d'intérêt. Et une suggestion philosophique, je pense qu'il y a un philosophe qu'on néglige totalement et qui a énormément de réponses pour cette crise majeure d'aujourd'hui, qui est Gilbert Simondon, qui, d'abord d'un point de vue ontologique, nous fait sortir du dualisme dans lequel on s'est enferré depuis des millénaires et qui nous a séparés, comme si c'était possible, de ce qu'on appelle la nature, c'est-à-dire du vivant, comme si nous étions autre chose qu'un vivant. Et quand on parle de biodiversité, mais on est dedans, on n'est pas... voilà. Et puis, d'autre part, son regard sur la technique, qui n'est pas cette idolâtrie de la technologie, qui voit la technique et la machine comme un rapport à la nature, c'est-à-dire aux forces du vivant avec lesquelles il faut, et c'est le mot sur lequel j'aimerais vous faire parler, alliance, faire alliance avec le vivant autre que le vivant humain. Oui. Morisot prend l'exemple du castor, etc. Le ver de terre. On l'a tué en martelant le sol. Voilà. Mes suggestions. Oui, merci. Tout ça fait sens. Alors rapidement sur l'équilibre. Alors justement, alors vraiment, je vous recommande la lecture pour avoir une vision vraiment synthétique de toutes ces questions biologiques, mais aussi climatiques, etc. Moi, j'ai lu un livre là très récemment que j'ai trouvé admirable parce qu'il résume toutes les connaissances, c'est à jour, c'est fin et c'est bien écrit. Et il y a des histoires. Voilà, c'est Marc-André Solos, donc qui est un spécialiste d'ailleurs des champignons et de la question de la symbiose. Qui a publié plein de choses très bien, mais le dernier, ça s'appelle « Nature et préjugés », préjugés au pluriel, et ça remet toutes les choses en place. Et alors sur la symbiose, justement, alors c'est un spécialiste de la symbiose, mais lui, il dit qu'il n'y a pas d'équilibre dans la nature, il n'y a jamais d'état d'équilibre, constamment d'adaptation, et il y a constamment des espèces qui vont créer, qui créent un problème. Donc, et c'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas revenir, faut pas se dire qu'on va réensauvager pour revenir à un état paisible, etc. Non, les choses avancent constamment, parfois dans la violence, parfois dans l'erreur, parfois au détriment de l'espèce elle-même. Et donc, ça fait partie de la créativité de l'évolution naturelle, et la nature n'est pas parfaite. Et bon, et ça fait du bien de se remettre... Et effectivement, ça crée des symbioses, parce qu'après, il y a des interactions, des interdépendances entre toutes ces espèces, mais il n'y a pas d'état stable, quoi. Je reviens au capital après, parce que c'est là que je pense le point peut être plus litigieux. Bon, sur Morisot, le castor et tout ça, oui, c'est exactement tout ce qu'on a dit. Moi, ce dont je m'aperçois aussi, c'est de ma propre méconnaissance. Donc là, je suis engagé sur une tétralogie romanesque où je vais faire les quatre éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Parce que je me suis aperçu de ma propre méconnaissance des éléments fondamentaux et de la méconnaissance totale de mes contemporains, naturellement, parce qu'on vit dans la même société. Et c'est dramatique qu'à l'école, on n'apprenne pas ce que c'est que la terre et l'eau. Aujourd'hui, on tourne un robinet, mais qui sait d'où vient l'eau? Qui sait comment elle est traitée? Qui sait pourquoi elle est bonne ou pas bonne? D'ailleurs, elle est plus bonne, hein, je vous le dis. Ne buvez plus jamais d'eau en bouteille. C'est absurde. En fait, l'eau en bouteille,
c'est alors l'eau de, il y a une différence entre l'eau minérale et l'eau de source, mais pour ce qui est de l'eau de source, par exemple cristalline, pour pas les nommer, désolé, on va peut-être enlever ça. C'est de l'eau du robinet non traitée, voilà. Donc, et vendue 100 fois le prix avec un peu de microplastique dedans en plus pour agrémenter la sauce. C'est absurde. Et les scandales sanitaires récents sur Perrier montrent qu'en fait toutes les sources sont polluées aujourd'hui. Il n'y a plus d'eau pure, ce qui d'un point de vue philosophique est terrible. Et Bachelard disait dans son livre sur l'eau qu'en fait la notion de pureté naît de l'eau. C'est pas que l'eau est pure, c'est que la pureté est eau. Donc quand il n'y a plus d'eau pure, c'est qu'il n'y a plus de pureté du tout, on a terminé. Il n'y a plus d'eau pure. Or, la définition légale d'une eau minérale ou de source, enfin, d'une eau embouteillée, c'est qu'elle n'est pas traitée. Donc une eau non traitée, maintenant, c'est une eau polluée, ce qui fait que les minéraliers ont commencé à traiter en douce. C'est un scandale, il y a 2 ans, dénoncé par l'ANSES, les autorités sanitaires, ils ont caché les appareils de traitement parce que leur eau, elle est naturellement polluée aujourd'hui. Et donc l'eau du robinet, bah, elle, est artificielle, elle est traitée, mais au moins, elle est traitée avec... avec des normes, alors on peut le déplorer, hein. Je préférerais boire de l'eau pure. Moi, chez moi, à la campagne, j'ai un puits, un forage, les champs d'à côté sont traités en bio, je connais ma zone, mon aire de captage, j'ai fait mes analyses d'eau, l'eau, elle est bonne, sauf pour, évidemment, les bactéries qui sont normales, qui sont des bactéries animales, E. coli, donc je mets un filtre UV, et puis c'est bon, je bois mon eau. Mais bon, ça demande des conditions particulières. Mais si vous êtes en ville et tout ça, c'est la seule eau saine, c'est l'eau du robinet, mais c'est plus de l'eau pure. L'alliance avec le vivant, etc. Oui, enfin, c'est d'ailleurs, bon, alors Morisot appelle ça la diplomatie avec l'animal. Bon, tout ça, on peut le nommer comme on veut, c'est savoir qu'on est interdépendant et compter sur l'un pour renforcer l'autre, comme a toujours fait effectivement l'évolution naturelle. Et dès qu'on a un problème, s'appuyer d'abord sur une solution fondée par la nature, pas par idolâtrie de la nature, par idolâtrie de Gaïa, mais simplement parce que ce sont des solutions éprouvées sur des millions, sur des centaines de millions d'années, qui donc scientifiquement sont plus valables parce qu'elles sont plus expérimentées qu'une nouvelle molécule dont on ne connaît absolument pas les effets secondaires. Là où je suis un peu plus critique, sceptique et peut-être en controverse avec vous, c'est sur la question du capital. Parce que j'essaye dans agrophilosophie de distinguer la question de la croissance de la question du capitalisme, en disant la croissance, c'est clairement l'idée de la croissance, l'idée qu'il faut croître, est clairement une erreur. De toute façon, comme dit Aristote, c'est la génération et la corruption, et certaines choses croissent que parce que d'autres décroissent. L'idée qu'on va croître, c'est-à-dire qu'on va stabiliser un état de valeur ajoutée, c'est l'idée qu'on ne peut pas recycler, en fait. C'est ce que je disais sur la ville au début. C'est absurde et c'est contre-productif. Donc, en revanche, l'idée du capitalisme au sens d'une économie de marché qui permet de baser nos relations sur l'échange et d'y mettre un prix, en fonction du travail fourni, en fonction de la demande, me paraît une manière saine d'échanger. D'ailleurs, le marché lui-même est d'origine agricole. Les premières foires... Laurence Fontaine, qui est sociologue, montre bien comment les mécanismes même du marché, les régulations du marché sont apparues sur les grandes foires de Champagne. Et les premières bourses sont des bourses agricoles, que ce soit à Chicago pour le grain ou au Japon pour le riz. Donc, et à l'inverse, vous voyez bien dans ce découplage entre croissance et capitalisme, vous voyez bien que les États soviétiques, pour le dire de manière un peu triviale, étaient à la fois des États hyper croissants, productivistes, industrialistes, et évidemment... pas du tout ni capitaliste ni écologique. Donc j'aimerais bien découpler les deux et dire on peut souhaiter une sorte de stationary state à la John Stuart Mill, d'état stationnaire, à une forme d'équilibre, et en même temps ne pas se priver des mécanismes très puissants de l'économie de marché pour échanger les choses, pour les évaluer, parce que finalement l'évaluation économique c'est la recherche d'un équilibre aussi entre les flux entrants et les flux sortants. Et donc si aujourd'hui, il faut donner un prix à la terre, un prix aux écosystèmes pour permettre aux puissants mécanismes de marché d'être vertueux, sans compter sur la vertu humaine, mais en comptant sur finalement ce qu'elle a parfois de plus diabolique, je trouve que c'est aujourd'hui raisonnable. Après, voilà, dans l'état philosophique anarcho-agro-élysée-reclusien, de démocratie locale et tout ça, peut-être qu'on va dépasser ça. Mais voilà, en tout cas, dans cette période de transition, je trouve qu'il ne faut pas jeter... Et tous les livres d'écologie que je lis sont excellents. Et puis, il y a toujours les 10 dernières pages contre le capitalisme. Je dis, un peu rapide. Voilà.
Bonjour, merci. Moi, je suis Amy Dahan. Je viens des sciences, dur pendant un temps, ensuite sciences sociales, et je me suis intéressée aux interactions entre la crise écologique et la politique, c'est-à-dire le climat. Excusez-moi, je reprends pas, mais voilà. Et donc, je vous remercie beaucoup de votre intervention. Mais évidemment, étant donné mes centres d'intérêt, je suis un tout petit peu frustrée par le fait que le rapport nature et liberté en 2050 est un peu occulté dans votre message. Puisque vous dites, j'en ai pas à court terme, et puis voilà. Et chaque fois que vous avez répondu, pour le moment, aux interventions, vous avez, je dirais que un certain nombre de difficultés intrinsèques dans lesquelles on est aujourd'hui sont un peu escamotées. Et en particulier, bon, il existe quand même, par exemple, et j'ai été étonnée que vous n'ayez pas mentionner quelques auteurs ou travaux comme sur les sciences du système Terre, qui sont pas simplement les sciences du sol, mais les sciences du système Terre, c'est quelque chose qui a commencé, disons, avec Lovelock, et évidemment, et Gaïa un peu, mais qui se sont beaucoup développés, qui ont donné naissance à une institution qui est analogue au GIEC, d'une certaine façon, et qui essaye d'avoir une interaction avec la politique. Bon, et on voit aujourd'hui en France des gens, ou des philosophes même, comme Bruno Latour, qui a à un moment donné vraiment s'est saisi de cette idée et de ce qu'on appelle l'enveloppe critique de la Terre. Et c'est exactement votre sol. Et ce qui s'y passe, tout ce travail de la vie dans les sols, c'est un peu ce qui se passe dans la zone critique, l'enveloppe de la Terre, etc. Mais comment, politiquement, on peut avoir une interaction avec un niveau politique ? Alors, c'est un peu notre objet ici, enfin, de discussion, nos questions, même si l'horizon philosophique a beaucoup plus long terme et est très intéressant et doit nous nourrir. Mais quand même, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on revendique. Aujourd'hui, par exemple, la convention sur la biodiversité s'est terminée hier ou avant-hier, je ne sais plus, vous savez comme moi, pas grand-chose au niveau concret, mais quand même un accord sur un certain nombre, justement, de résultats des ressources et de la préservation des ressources et des espèces qui reste programmatique, mais qui a quand même un certain contenu tangible sur lequel agir politiquement. Et de la même façon que la question, par exemple, du schisme de la décarbonation, c'est-à-dire comment, d'une certaine façon, la question climatique a été trop réduite à la question uniquement des énergies fossiles et des émissions carbonées au mépris de tout ce qui était autour de la crise écologique, beaucoup plus épaisse et beaucoup plus... Voilà. Donc tout ça, ça nous donne un calendrier politique, proprement politique. Et c'est un peu à ce propos-là que j'aurais aimé vous entendre, parce que puisque vous dites être aussi un acteur politique... Non, c'est pas moi qui le dis, c'est ma fiche Wikipédia. D'accord. Mais enfin, quand même, vous avez voulu vous présenter aux élections. C'est quand même un échéancier politique, ça. Donc, voilà, comment vous voyez ça ? Parce qu'il est certain, par exemple, qu'on n'a pas abordé ici quelque chose qui fait partie de l'évolution de l'humanité, à savoir l'urbanisation. L'urbanisation, on sait que depuis cette année, je crois, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes, et il est clair que l'urbanisation écarte énormément les hommes et ceux qui y sont de ce rapport au sol que vous avez longuement nourri et illustré. Donc c'est un obstacle politique majeur à la mise en œuvre véritable d'un certain nombre des orientations que vous avez suggérées à juste titre.
Mais bon, c'est je comprends parfaitement votre question, merci. je ne reprendrai pas tous les points parce qu'il y en a trop, mais sur le dernier, je suis plus mitigé. Je pense qu'on peut créer des villes. Ah bah d'ailleurs, c'est Élisée Reclus qui parlait des villes-jardins. On peut créer des villes avec des espaces d'autonomie autour d'elles, des villes beaucoup plus reliées à leur hinterland, des villes avec plein de potagers partagés. D'ailleurs, j'ai lancé mon livre. Alors bon, c'est un peu bobo, mais quand même, ça avait un sens dans le potager partagé du 5e, où il y a des gens qui viennent vraiment cultiver la terre sur un toit. On a remis une couche de 50 cm, je crois, d'humus. Donc, je pense qu'il ne faut pas... Et à l'inverse, c'est des gens qui vivent à la campagne et qui ne connaissent absolument pas la nature et ne veulent pas en entendre parler. Voilà, donc je suis juste plus nuancé sur l'opposition ville-campagne. Après, justement, j'ai vraiment arrêté. Donc, j'ai créé un. Puisque vous me posez une question personnelle, je réponds de manière personnelle. J'ai créé un think tank pendant 10 ans qui avait une vocation politique, qui proposait des politiques publiques. N'ayant pas réussi à les faire adopter par personne, j'ai essayé de lancer un parti pour le faire moi-même. Ça n'a pas marché non plus. J'ai donc décidé. Puis il y a d'autres considérations qui rentrent en ligne de compte. Mais enfin, j'ai décidé d'arrêter clair et net la politique, même au sens large, la métapolitique, qui, je trouve, est me prend beaucoup trop d'énergie, me prendrait beaucoup trop d'énergie, par ailleurs, mieux mise en œuvre dans ce que je peux faire de créatif. Et donc... j'assume avec une certaine honnêteté, parce que ce serait facile de dire « Oui, il faut un fédéralisme mondial, il faut une ONU verte ». Il faut. Je connais tous ces projets. À chaque fois, on dit oui, allons-y, faisons, écrivons une pétition. Je préfère honnêtement dire que je vois à l'horizon, chacun son boulot finalement. Je ne connais pas le chemin politique. Je ne le comprends pas dans le champ politique actuel où ces questions ont complètement disparu. J'écris une chronique demain d'ailleurs dans Les Échos sur. Comment est-ce possible d'arriver à une telle dissonance cognitive où à la fois les conséquences des catastrophes climatiques sont désormais immédiates, où il y a des inondations monstrueuses à nos portes chez nous, et en même temps de parler aussi peu de ces questions dans le débat politique. Bon, je fais l'hypothèse Solos, hein, que c'est finalement notre biologie qui nous pousse à évacuer le long terme. Et on peut toujours faire le souhait que, justement, dépassant cette biologie, nous arrivions à des grands contrats sociaux mondiaux où on résolverait la tragédie des communs. Mais honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je regarde avec intérêt. Mais je pense que mon rôle, c'est, un, de proposer un horizon positif, et deux, à travers les romans, de fournir de la matière informative et puis des imaginaires. Voilà. Sur lesquels j'espère que des gens construiront des chemins politiques, mais ce n'est pas des choses qu'il faut faire à moitié. C'est ça que j'ai vraiment bien compris après toute cette expérience, après avoir fondé un parti, après avoir fait campagne, avoir récolté des parrainages et tout ça. C'est soit 100%, soit rien. Et donc, sinon, ça reste des vœux pieux. Donc, pour le moment, voilà, je laisse à d'autres cette lourde tâche. Qui a le micro ? Bonjour, Jean Pierros, conseiller d'État honoraire. Je voudrais savoir, monsieur, comment votre analyse s'applique à l'espace. L'homme est en train de vouloir conquérir l'espace, l'habiter peut-être, le cultiver d'une certaine manière. Comment ce que vous avez dit s'applique à l'espace ? Est-ce que l'espace est une forme d'humus ? Ma réponse est très simple. Notre obsession spatiale, notre adulation des astronautes est un déni total de ce qui importe réellement, c'est-à-dire ce qui est sous nos pieds. On a hérité d'une planète absolument miraculeuse dans le système galactique. Malgré le paradoxe de Fermi, il semblerait qu'on n'ait pas encore trouvé une deuxième qui ait élaboré pendant plusieurs milliards d'années des formes de vie diverses et un humus qui prend, encore une fois, tant de siècles à se composer. Et donc l'idée que c'est foutu, on va aller cultiver sur Mars, c'est ridicule. Du point de vue agronomique, et on perd un temps, une intelligence, une énergie à envoyer tous ces gens dans l'espace et même à comprendre comment tout ça marche.
Je veux bien, d'un point de vue de la connaissance fondamentale, c'est sans doute intéressant, mais je veux dire, notre obsession imaginaire, d'ailleurs toute la science-fiction, on m'a demandé d'écrire une BD pour les 50 ans de Métal Hurlant, qui est cette revue de science-fiction très à la mode dans les années 70-80. Du coup, j'ai relu les anciens numéros, c'est que des vaisseaux spatiaux dans l'espace et tout ça. Et moi, j'ai construit une BD sur l'avenir, sur le futur, un futur utopique, et qui se passe ici et maintenant, avec de l'humus, avec des communautés locales, et que je trouve beaucoup plus attrayant. Donc, c'est une espèce d'obsession abstraite de l'espace qui nous vient aussi de l'idée d'un ordre, peut-être d'un ordre cosmique qui est supérieur à l'autre, parce qu'il est plus simple, quelque part, qu'il dépend uniquement de lois physiques qui sont plus universalisables que les lois du vivant. Et pour moi, obsolète. Voilà, obsolète. Et c'est pour ça que dans mon roman, il y a Thomas Pesquet qui passe un peu comme ça en ombre portée. C'est pour dire, mais pourquoi est-ce que... Voilà, les héros d'aujourd'hui, c'est les géodrilologues, les spécialistes des vers de terre, dont personne ne connaît même le nom. Pas les astronautes, on s'en fout, en fait, d'aller conquérir Mars. Ça n'a aucun intérêt, c'est une plaisanterie pour ados. C'est l'épistémologie de la guerre froide. Oui, oui, toi, bah voilà, oui, c'est vrai, tout à fait, sans doute. Oui, je ne sais pas d'où vient exactement cet imaginaire, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais... Il y a une dernière question, peut-être. Oui, Général de Corrèze, j'étais avant à l'inspection générale des finances, mais que je viens de quitter. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que l'agroécologie est compatible avec une population humaine à 10 milliards d'habitants? Et on revient un peu à l'exemple que vous nous donniez des macaques à longue queue hein, et des huîtres. Et la deuxième question, c'est vous insistez beaucoup sur le niveau local hein, et donc l'attitude écologique au niveau local. Mais en même temps, sur ce rôle d'animation, de sensibilisation, est-ce que vous pouvez nous... Est-ce que vous êtes optimiste ou est-ce que vous avez des contacts avec un Gaspard Koenig chinois ou américain? Est-ce qu'il y a justement des animateurs ou des sensibilisateurs comme vous qui prônent ces solutions locales? Et du coup, il y a cette distorsion un peu entre le local et puis justement quand même... Parce que ce que vous faites en France, c'est bien. Mais si personne d'autre n'a le même message ailleurs... Rappelez-moi la première question, pardon. Première question, c'était sur 10 milliards d'habitants. Ah oui. Et, D'abord, je crois que vous avez eu une conférence de Bruno Tertrais qui vous expliquait qu'en fait, la population mondiale allait atteindre un pic plus précocement que prévu et que donc une forme d'autorégulation qui était en train de se mettre en œuvre. Après, moi, je pense qu'il y a aujourd'hui plusieurs millions de vers de terre à l'hectare. Ça pose de problème à personne, parce que chaque vers de terre n'a pas une machine à laver, une voiture et ne regarde pas des séries en streaming. Donc le problème, je pense, c'est pas tellement le nombre d'êtres humains, c'est les modes de vie de ces êtres humains. Et après, tout ça doit s'autoréguler en fonction des ressources. C'est-à-dire, si vous êtes sur une échelle locale, en fait, très vite, les choses vont se... S'il n'y a pas assez d'eau pour une population... à l'échelle locale, et si c'est la seule eau dont on dispose, si on n'a pas le recours de l'État, bah on va partir ailleurs. Et donc tout ça va petit à petit s'équilibrer. Donc je pense que c'est... Je ne suis pas du tout pour un contrôle des... Mais non, mais même intellectuellement, je ne suis pas du tout ni sur la décroissance, ni sur le malthusianisme. D'abord parce que je pense que la vie est intensive, et pas, elle n'est pas sobre, elle n'est pas... Elle ne prône pas la diminution, chaque être veut croître et grandir. Si on est astreint à ne pas dépasser nos ressources parce que le contexte institutionnel nous l'interdit, à ce moment-là, la régulation va se faire un peu toute seule, me semble-t-il. Et quel est le bon chiffre? On verra. On peut pas. Pourquoi 5, pourquoi 15, pourquoi 20 milliards, pourquoi 10 millions? Personne n'est capable de le dire. Mais à partir du moment où on est en équilibre et où on ne diminue pas le biotope sur lequel on est ancré, il n'y a pas de chiffre magique, ça va se stabiliser tout seul. Et donc ça rejoint un peu la réponse sur le local. Après, oui, je vois... Alors en contact, je ne sais pas, parce que... D'abord, je remarque, c'est une autre discussion, mais je remarque un cloisonnement national incroyable de la pensée. C'est-à-dire, je pense que les intellectuels européens discutaient plus entre eux au temps de Descartes et de Spinoza, parce qu'ils allaient constamment à Londres, à Amsterdam, à Paris, à Berlin, qu'aujourd'hui, où je note, enfin, je ne sais pas si vous notez la même chose, cher André,
moi qui fais des débats en permanence, qui suis en contact avec plein de gens, c'est rarissime que j'aille, ne serait-ce qu'en Italie ou en Allemagne, ou alors il faut attendre que le livre soit traduit. Alors, il est traduit, mais c'est tout un processus. Et... Donc, alors qu'on a Google Translate, les moyens de transport qu'on a, etc., je trouve qu'il y a un cloisonnement de la pensée et de la création aussi littéraire au niveau national qui est assez stupéfiant. Et il y a seulement une poignée de penseurs, et pas forcément les meilleurs, qui arrivent à avoir des lancements mondiaux, à être transnationaux, mais c'est très, très rare. Il y a peu de cercles de discussion, ne serait-ce qu'européens. Tout ça est très, très national. Et donc, quand je dirigeais le think tank, c'était pareil. Les politiques publiques, le revenu universel, tout ça, c'est quelque chose sur lequel on travaillait. C'était toujours, bon, aussi parce que les systèmes sociopolitiques sont encore nationaux, mais on avait peu de... Enfin, et quand on en avait, en fait, ça s'est tiolé très vite parce que ça n'avait aucune portée opérationnelle. Donc, voilà. Et après, moi, j'avais, quand je travaillais enfin, quand, sur les questions de la liberté, j'avais fait beaucoup de reportages avec Le Point. J'avais été un peu... J'étais baladé dans plein de coins du monde pour voir la liberté à l'œuvre, le revenu universel au Brésil, le microcrédit au Pérou, les prisons ouvertes en Finlande, la démocratie en Suisse. Enfin, je m'étais baladé. Alors maintenant, je ne prends plus l'avion, c'est plus compliqué. Mais j'ai quand même, je ne me l'interdis pas entièrement, s'il y a une raison valable. Et je pense qu'un jour, je serais tenté de refaire un projet comme ça, où j'irai à Tchernobyl, voir justement comment une zone laissée totalement sauvage pendant 40 ans a reconstitué une biodiversité colossale. J'irai dans l'Andhra Pradesh en Inde, voir un état de quand même 40 millions d'habitants qui visiblement est passé en agroécologie pure et dure depuis 5 ans, alors avec une paysannerie beaucoup plus forte, hein, et déjà beaucoup plus de main-d'œuvre disponible, et dans des conditions évidemment de droit du travail différentes qu'en France, mais enfin bon, c'est quand même intéressant sur le plan agronomie. Donc j'aimerais bien voilà, refaire un petit tour de ce qui se fait aujourd'hui sur la planète, mais peut-être dans quelques années. Très bien, ben, il nous reste à remercier chaleureusement Gaspard Koenig. Merci. Et donc, pour conclure, optimisme à long terme, pessimisme à moyen terme, perplexité à court terme sur la vie politique qui nous attend. Il me reste à très court terme à vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci à tous.